الجانب الآخر، عقد مدربا منتخبي مدغشقر والسنغال ندوة صحفية بمركز المؤتمرات التابع لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، حيث تطرقا للحديث عن تحضيراتهم وآخر مستجدات لاعبيهم تحسبا للمقابلة المقبلة لهما من دور نصف نهائي شان. لنستمع. Oui, j'ai dit vu le statut du Sénégal. Dans l'équipe A, il vient de gagner la CAN, il vient de participer à la Coupe du Monde. C'est un grand pays de football d'Afrique. Nous, c'est la première fois qu'on est ici. C'est notre première participation à la CAN. Comme vous voulez dire, que le Sénégalais s'est déjà participé 3 fois sur les 7 éditions. Forcément, le Sénégalais, c'est favori. C'est vrai que je suis fier. On est tellement fier de ce qu'on a fait ici, de ce qu'on a produit ici pendant ce tournoi. Mais ce sera un match de demi-finale, donc ce sera 50-50. On va tout faire pour gagner, même si ce sera pas facile du tout, mais ce sera le match de football. Donc j'ai hâte d'y être demain pour voir ce qu'on peut faire sur le terrain demain. Vous avez dit que c'est la première fois, ça c'est vrai. Donc pour moi et pour le groupe, pour rendre heureux notre pays, pour rendre fier à notre pays, c'est vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'on a fait à ce moment-là. C'est fou, mais grâce à notre travail, grâce à notre sacrifice, parce qu'on a beaucoup... On a beaucoup travaillé pour venir à cette compétition. Permettez-moi de féliciter le coach de Madagascar qui a été nommé le meilleur coach des matchs de poule. Et bravo à lui avec une très belle équipe joueuse qui marque beaucoup de buts. Voilà, mais maintenant, on est en demi-finale. Nous, on sait pourquoi on est là. On est venu dans cette compétition, comme je l'avais bien dit, on avait notre mot à dire. Donc maintenant, on est en demi et on a un objectif qu'on va aller en finale. On ne calcule pas trop l'adversaire parce qu'on sait que c'est important. C'est un adversaire qui a créé... Bon, pour moi, ce n'est pas une surprise parce que le football malgache est en train de monter. Et ils sont en train de montrer des très belles choses. Voilà, nous, on sait pourquoi on est là. On a envie de rendre fier à notre pays, même si ça faisait que 11 ans d'absence qu'on ne s'est pas présenté à cette compétition. Maintenant, on a bossé pour être là et voilà, pour relever notre football local qui est un peu sous-côté et continuer notre chemin et pourquoi aller prendre le Graal qui est le trophée, qu'on sait qu'aujourd'hui notre objectif sera d'être en finale.